Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très en retard aujourd'hui. Du coup, vous aurez la vidéo très plus tard, je pense. En tout cas, vous n'aurez pas à l'heure, ça c'est sûr. Parce que à l'heure où je vous fais la vidéo, il n'est pas tout à fait 18h30. Et que d'habitude, je vous mets la vidéo à 19h30 à mon heure à moi, portugaise. Donc en gros, chez vous, là où il est 19h30. Et normalement, chez vous, je mets la vidéo à 20h30. Bon, bah, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ça ne sera pas le cas. Ça sera un peu en retard, j'espère pas trop, mais on va voir. Ça dépendra du temps que je me fais, que je mets à faire cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, je me suis munie de napperons. Et aujourd'hui, on va faire un premier embellissement avec des napperons. Alors, normalement, on est lundi, ça aurait dû être une fleur. Mais bah là, j'étais motivée sur autre chose qu'une fleur. Donc, bah, ce sera pas une fleur. Mais pas aujourd'hui, mais ça viendra, ceci dit. D'accord? Donc, on va commencer un premier tuto avec des napperons. Donc, les napperons, on les trouve sous forme ronde. On peut aussi les trouver, évidemment, sous forme rectangulaire, carrée, etc. Il y a vraiment plein de formes. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les napperons. Je m'en sers notamment dans les junks, de façon très basique, ma foi, pour faire des rabats, pour faire des pages. Mais évidemment, on peut s'en servir de plein de manières en scrap. Et donc aujourd'hui, on va faire une première version avec avec des napperons. Et tout simplement, on va faire des enveloppes. Et c'est très facile à faire, vous allez voir. Donc j'en ai déjà fait, je vous montrerai à la fin, avec des tout petits comme ça. Donc le napperon d'un bout à l'autre mesure 11 cm. J'ai aussi fait, je crois, avec celui-là. Sauf erreur de ma part. D'un bout à l'autre, le napperon mesure à peu près 14 cm. Et donc, eh ben, on va passer aux tailles au-dessus. Mais je vais prendre vraiment des tailles vraiment au-dessus. Voilà. Je vais par exemple en faire une avec ces très grands. Alors, les très très grands comme ça, moi je les achète chez Lidl en général. Parce que ben, c'est là où je les trouve, tout simplement. Et les autres, je les achète dans mes petits magasins. Chinois, alors magasin chinois égale Action, hein, égale tous les sites chinois que vous avez possibles et imaginables, égale ce que vous voulez. De toute façon, dans tous les boui-boui, j'appelle ça des boui-boui, c'est les petits magasins où on trouve de tout, et ben on en trouve, d'accord. Donc on va prendre le napperon et on va garder la jolie partie à l'extérieur, d'accord. Dans un premier temps, on va faire une chose très simple, on va venir mesurer non pas la taille du napperon en extérieur comme ça, d'un bout à l'autre à l'extérieur, hein. L'extérieur c'est là, on va mesurer plus ou moins la taille, donc le diamètre du napperon intérieur, d'accord. Donc du rond qu'on a ici, plein, donc d'un bout à l'autre ici à l'intérieur, plus ou moins, hein, on n'est pas au centimètre ni même au millimètre. Donc là, plus ou moins, j'ai envie de vous dire que ça ferait du... Ah non, je ne suis pas en centimètre, je suis en inch. Donc là, c'est un très grand napperon, clairement. Donc il mesure plus ou moins à l'intérieur. Allez, je vais m'arrêter à 22,5, ce sera déjà pas mal. Et... donc 22,5. Donc je vais prendre une feuille et je vais déjà découper à hauteur de 22,5. Donc j'ai pris une feuille genre cardstock, genre canson. Vous prenez quelque chose, ce que vous voulez. Je trouve que c'est mieux que ce soit un petit peu épais pour que ce soit bah, plus facile à utiliser ensuite, hein, plus praticable. Je suis en train de rouler sous ma couverture. Hop. Excusez-moi. Donc voilà, maintenant je vais déterminer, donc là j'ai déterminé ça, je vais déterminer plus ou moins la taille dans l'autre sens, hein. Donc là on a pris le rond intérieur. Maintenant en fait je vais déterminer pour pouvoir faire les replis, les plis, ça comme vous voulez. Donc on a dit qu'on était au départ sur du, je ne sais plus combien je vous ai dit, j'ai pris 22,5, donc 22,5 c'est ça. Donc en hauteur je vais prendre pour qu'il y ait du repli tutti quanti, je vais me situer à peu près, en fait je vais laisser du battement pour que ça rabatte en bas et en haut évidemment, sinon c'est pas drôle, et je pense que je vais venir me situer par là, je vais prendre 15 cm, d'accord. Donc pour celui-ci c'est vraiment une très grande enveloppe, donc 22,5 et là sur 15, ça sera pas toujours le cas bien sûr, d'accord. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Excusez-moi, j'ai toujours un chat dans la gorge. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai pourtant pas avalé. Je vais coller. Bah tiens, je vais faire avec une colle comme ça, pour le coup. Ça ira très très bien. Il n'y a pas besoin que ce soit un collage extraordinaire. Parfait. Juste, il faut que ça tienne un petit peu. Hein. C'est ce qui va maintenir notre enveloppe. Voilà. Flûte. Je veux bien tenir. Alors, et on va venir donc placer ce morceau tout simplement ici, plus ou moins, d'accord. J'aurais même pu prendre moins que 22,5, j'aurais pu prendre 21, c'était bien aussi, voilà. Mais voilà, donc
Grosso modo, je l'ai placé, vous avez vu, au milieu, mais en rectangle cette fois-ci. Évidemment, si je veux faire une forme carrée, eh ben, je ferai la même chose en forme carrée. Ensuite, eh ben, on va rabattre la partie du bas. On fait doucement parce que là, c'est un petit peu travaillé, ça se déchire assez facilement. D'accord. Puis, les côtés. Alors là, j'ai mal plié, d'ailleurs, je n'étais pas au bon endroit. Voilà. Puis, les côtés. Je répète, hein, au cas où. D'accord. Là, c'est la partie très travaillée. Donc, comme je vous le disais, faites attention, ça se déchire assez facilement. Là. Et puis, le deuxième côté. D'accord. Donc, maintenant, eh ben, écoutez, on va faire quelque chose de très simple. On va coller. Voilà. Alors, je vais coller à l'intérieur déjà cette partie-là. Comme ça, c'est pas évident de trouver où coller hein, là-dessus, clairement. Donc, à vous de voir. L'idéal, c'est quand même de coller la frise qui est là. Vous voyez la frise du bord, comme ça. Tac, tac, tac. Après, on voit. Hein. On avise. Comme ceci. On tient. Donc, j'ai collé à tacky-glue cette fois-ci. Voilà. Très simplement. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, alors, j'ai pas fait l'autre rabat, mais il faut le faire aussi. Oh, j'avais deux napperons, c'est pour ça que ça faisait pas, ça me tenait pas. Calendouillette. J'avais deux napperons, figurez-vous. Hop. C'est vrai que ça arrive souvent, ça, qu'ils soient très collés les uns aux autres. Et du coup, oui, c'est nettement plus mieux. Et du coup, ensuite, on va rabattre notre partie du bas comme ça et venir. Alors, du coup, faut que j'arrête avec ce du coup, mais c'est pas si simple en fait. Hein. On ne le maîtrise pas le du coup justement. Donc ici, je colle. Comme ça, là, et puis peut-être un petit peu là, voilà, et puis je vais mettre de la colle sur les fleurs, ici, sur les, ouais, sur les fleurs du napperon, comme ça, voilà, et on vient positionner notre partie basse, tout simplement, d'accord? Voilà, ok. Voilà, le but, c'est pas de coller ça à la cartonnette qu'on a mis dedans, hein, clairement. Et puis, donc, cette partie-là, on en est bien, on est bien à une enveloppe, hein, on le voit bien. Cette partie-là, évidemment, on peut tout à fait la redescendre. En tout cas, on va lui donner son pli. Et lorsqu'on s'en servira, après, on embellira, on fera ce qu'on veut. En attendant, ça se présente comme ceci, d'accord? Voilà, donc là, on vient d'en faire une grande. On va en faire une plus petite pour que vous voyez. Tiens, je vais prendre celle-ci. Donc, pareil, je vais mesurer. Donc, là, mon rond intérieur. Donc, là, je vais prendre, allez, 16. Et je vais prendre sur 11. Alors, est-ce que ça rentre là-dedans, 16 sur 11? Attends, je ne sais pas. Combien j'ai ici? Là, oui. Eh bien, ça rentre. Donc, 16. Hop, je pense que c'est bon. Et sur 11, c'est là. D'accord. Du coup, j'ai encore des morceaux, bien sûr, pour faire d'autres enveloppes. Donc, de la même façon, c'est parti en cacahuète, là. De la même façon, je viens coller là. Oh, j'avais encore laissé ça ouvert. Punaise. Donc, cette fois-ci, je vais prendre la tacky-glue. Hop. Voilà. Voilà, et donc ça sera le premier d'une série de petits embellissements faits avec des enveloppes, pas des enveloppes, avec des napperons. Comme ça, ça fait des courtes vidéos, comme il se trouve que là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi au niveau du timing. Et ben, voilà, d'accord. Donc, on a bien compris qu'on n'est pas, on prend pas la longueur totale, hein, on s'arrête vraiment au cercle du milieu. On peut faire encore un peu moins si on veut. Et après, en haut, en hauteur, il faut bien sûr... comme je vous l'ai dit, voir pour que tout se replie bien et que ça fasse une jolie forme, d'accord? Après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter pile poil à la cartonnette que vous avez ajoutée. Vous pouvez aisément aller plus loin. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire une forme carrée et pas rectangulaire. Voilà, il faut vous amuser avec tout ça. Bien entendu, pour les plus... Ah, pourquoi j'ai mis là?
pour les plus habiles. Évidemment, vous pouvez tout à fait faire sans la cartonnette, hein, c'est faisable. Mais disons que la cartonnette qui est en fait du papier, hein, vous permet. Je dis cartonnette, c'est pas le mot, hein, sincèrement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi je mets du papier? Parce que tout simplement, ça va avoir un côté rigide qui va faire bien maintenir la carte. Et donc voilà quoi. Et donc pas la carte. Oh là là, l'enveloppe. Et du coup, ce sera plus facile à utiliser. C'est aussi simple que ça. D'accord? Hop. Et hop. Voilà. Donc notre petite enveloppe. Et ensuite, on rabat la partie qui est ici. Alors là, pareil, hein, on peut rabattre un peu plus, un peu moins. Voilà. Le morceau de papier nous sert de tuteur quelque part. Voilà. Donc ça, c'est notre enveloppe fermée. Là, elle est ouverte. Alors, j'en avais fait des tout petits toons avec mes tout petits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, pour ces cercles-là, ça m'a donné une enveloppe comme ceci. Vous voyez, elle est hyper mimi. Et encore, je n'ai pas été jusqu'en bas du morceau de papier. Voilà, ça fait ça. Voilà, d'accord. Donc, après, bien sûr, vous pouvez vous en servir pour mettre des petites choses dedans, un petit mot, pour dans un junk, pour vous, bah, pour faire comme on fait d'habitude, pour faire des inserts, etc. Et puis, pour la petite, comme ça, j'en ai fait deux, de différentes façons, mais c'est la même. Et ça nous donne ceci, vous voyez, donc on en a une qui est plus longue que l'autre, une plus courte. Voilà, après, il faut vraiment s'amuser. Celle-ci a été mal collée un peu sur le côté, mais c'est pas grave, au pire. Je prends des ciseaux et je viens rectifier. Et puis voilà, d'accord? Donc c'est vraiment un petit embellissement tout facile, tout simple, qui peut nous être utile dans toutes nos créas, parce que même ça, ces petits formats-là, on les ajoute aisément sur une carte, quand on fait nos cartes. Ça, dans nos créas un peu plus grosses. Et voilà. Et de toute façon, je vous montrerai comment les utiliser, bien entendu, comme d'habitude. Voilà. Donc écoutez, à vous de jouer. Alors, par exemple, pour ceux qui comme moi aiment la récup, n'hésitez pas à utiliser les napperons et à récupérer les napperons en fait qu'on peut avoir lorsqu'on achète des choses. J'ai une boulangerie française qui a ouvert à quelques kilomètres de chez moi. Alors je dis quelques, en termes de temps, je crois que c'est 40 minutes. Hein, mais bon. Et quand j'y vais à chaque fois, je mange une tarte au citron parce que c'est un truc que j'adore. Et clairement, je récupère à chaque fois les napperons. Pourtant, ils sont un petit peu souillés parce que, bah, voilà, c'est normal, c'est la pâte. Mais je les récupère. Et bien entendu, ça sert. Oui, ça sert. D'accord? Donc voilà, avec de beaux napperons, de quoi faire de jolis petits embellissements. Donc, on se retrouve très vite. Pour un deuxième embellissement, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!